Midi Ivresse, c'est « Et demain, comment vous réveillerez-vous? Avec qui ?» Bourgueil, Nuit d'Ivresse, 2018. Cabernet Franc, le cépage roi de la vallée de la Loire. C'est un cépage qui donne des vins riches, structurés, tanniques. Nuit d'Ivresse, c'est un assemblage de plusieurs parcelles, que les grands crus de notre domaine, en sachant que dans la Loire, il n'y a pas de notion de grand cru, mais on assemble des vieilles vignes sur des argiles siliceuses, buzardières, le pemulot, et des argiles calcaires structurées sur bonnet, le grand. Voilà. Et c'est un vin qui représente vraiment notre domaine, c'est-à-dire toute la liberté qu'on peut se donner sur les vinifications et aussi sur la façon dont on va consommer les vins. Voilà. Cette cuvée, comme tout le travail du domaine, est venu après une rencontre dans le Beaujolais chez Marcel Lapierre en 1987. Après cette rencontre, c'était obsessionnel, où j'ai converti mon vignoble en culture bio pour pouvoir faire mes premiers vins sans soufre en 1993, avant que personne ne parle de vin nature, plus nature que nature. L'idée principale, c'était d'abord de travailler les sols, d'être extrêmement propre et rigoureux dans le vignoble. Il y a aussi une réflexion quand on a des enfants. Nos enfants sont arrivés et on a converti notre vignoble aussi pour leur donner un idéal dans l'avenir, ce qui est le cas aujourd'hui, puisque Paul est à Vouvray sur un vignoble qui est travaillé en bio et France et Baptiste sont sur Bourgueil sur un vignoble qui est travaillé en bio depuis des années. C'est aussi une identité personnelle. Les politiques, ils rentreront jamais là-dedans. C'est à nous de planter des arbres, c'est à nous de planter des haies, c'est à nous d'être plus respectueux de l'environnement et de faire attention à l'avenir pour préserver la planète. Ça fait partie de ça aussi, Nuit d'Ivresse. Épaulé, jeté. Il est bon, il est bon, il est bon le breton.